Beaucoup de gens de monde se souviennent de cette spectaculaire et imposante perquisition chez WRS Transport à Val-d'Or. La Sûreté du Québec s'imposait après la conclusion d'une enquête liée à du transport vers les États-Unis d'au moins 136 kilos de cannabis, mais sans que le conducteur du camion-remorque n'ait été mis au courant. Maintenant, deux individus de 41 ans de Val-d'Or, William Imbeau et Kevin Pedro Villeneuve, ont comparu en lien avec le contrôle d'un réseau criminalisé de possession, vente, exportation et distribution de cannabis. Il reste pour le moment en liberté le temps des démarches judiciaires. Neuf chefs d'accusation dénoncés par le juge Jacques Ladouceur, incluant notamment pour Villeneuve la possession et l'entreposage illégal de 9 armes. Les faits entourant l'histoire sont survenus tant dans la région qu'ailleurs au Québec entre le 1er août 2020 et le 1er octobre 2021. Les procédures se poursuivront 12 mois après la conclusion de l'enquête, le 12 février prochain, au Palais de justice à Val-d'Or. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.